Mais ça fait tellement longtemps, j'ai vu le loup, le renard, le lion, que même les artistes qui étaient dedans se rappelaient même plus qui était qui. Alors, après enquête, on est maintenant en mesure de vous confirmer que le loup, c'était Robert Charlebois, le renard, c'était Gilles Vigneault, et le lion, c'était Félix Leclerc. Et malgré ce micro-sillon slash long jeu slash vinyle, plusieurs jeunes ne connaissaient pas ça du tout. J'ai demandé aujourd'hui à un jeune technicien, je lui ai dit, « Est-ce que tu connais ça? J'ai vu le loup, le renard, le lion. » Il a dit, « Ben oui. » « J'ai vu le loup, le renard et le lion. » J'ai dit, « Mais non, c'est pas ça. » Tiens, on va demander à Ariane Moffat. Elle est jeune, elle. Ariane, ouais. J'ai vu le loup, le renard, le lion. Connais-tu ça? Ben oui, c'est facile. C'est cœur de loup, de lion, de renard. C'est pathétique. C'est pour ça qu'on est ici ce soir. C'est pour vous rappeler à votre mémoire et à la mémoire des plus jeunes l'existence de ce spectacle-là avec ces trois géants. À vous, mesdames et messieurs. Dans un marais de gens mauvais, il y avait un vieux château, long rideau dans l'eau. Dans ce château, il y avait Bozo, le fils du matelot, maître séant de ce palais branlant. Par le hublot de son château, Bozo voyait entrer ses invités poudrés de vieilles rosses traînent en carrosse et la fée Carabosse. Tout s'y était, moins celle qu'il voulait. Passez par ce pays la nuit, il y a un fanal comme un signal de balle. Dansez, chantez, bras enlacés, afin de consoler pauvre Bozo pleurant sur son radeau.